Bonjour à tous, nous sommes Samedi samedi 15 15 février février 2020. Il est. J'ai pas dit 2019 hier, non, je crois pas. Hein. Non, j'espère pas. J'espère il pas. Est 9h08. 9h08. Et David, il va prendre sa douche, voilà. Là, on s'est réveillé à 8h, on a été prendre le petit-déj avant de prendre notre douche en bas. 8h15. 8h15, ouais. Tiens, baisse un peu, s'il te plaît. D'accord, Billy. Donc c'était bien sympa le petit-déj, on a mangé comme des morfales. Comme souvent au resto, enfin à l'hôtel au petit-déj. Donc David prend sa douche. Moi j'ai pris ma douche, Alexis a pris sa douche. Merde, il y a un mec qui fait des travaux. On a ouvert la fenêtre, là il fait super bon ce matin. Donc ils ont prévu une tempête, mais là on n'a pas, je sais pas à partir de quand elle est. Parce que je crois que c'est aujourd'hui, mais je sais pas à partir de quand au niveau des heures. Parce que là il n'y a pas un souffle, il n'y a pas un pet de vent quoi. Mais rien du tout. Moi j'ai dormi moyennement, mais parce que je dors toujours moyennement. Voilà, quand je dors ailleurs. Même quand je pars en vacances, j'ai un temps à m'adapter au lit. Voilà, mais sinon c'était très très bien. Oh, même de base à la maison, tu dors pas bien quoi. Ah, le bruit des mouettes. Ça c'est agréable. Plutôt que le mec qui fait les travaux. Donc voilà, et après, donc aujourd'hui, alors je sais pas trop ce qu'on va faire ce matin. Est-ce qu'on va faire une petite ville en bord de mer, voir la mer? Ouais. Je pense que ça peut être sympa, faut qu'on regarde la carte par contre. Et aujourd'hui, on va aller visiter un petit peu Rouen. Voilà, on va manger à Rouen ce midi. Et on va, c'est à peu près à mi-chemin, enfin c'est un peu plus loin de... Enfin bref, à peu près, c'est de l'à peu près quoi. Et on va manger à Rouen et visiter la ville de Rouen qui paraît-il est très jolie. Et voilà. Donc je crois que c'est à 90 km d'ici et à 120 de chez nous. Donc c'est à peu près la moitié. Alors ici, quand on sort de l'autoroute et qu'on a encore 30 km à faire, c'est très long parce que c'est des petites routes. Donc ça prend du temps. Vraiment toute petite route hein, de campagne, mais c'est super joli, super agréable. Surtout qu'on les a fait sous un beau soleil. Enfin bref, quelle intro de ouf. Donc voilà, donc on va vous emmener avec nous, puis on vous dira au fur et à mesure ce qu'on fait. Moi j'aimerais bien aller voir la mer ailleurs. On n'a pas de carte là. Bon, on va regarder sur le téléphone. Mais on a l'ascenseur. Ah oui, on va rester 3 heures à l'ascenseur pour regarder la carte, mais ça peut être une bonne idée. Mais non, pas 3 heures. Et toi, t'es content, Alexis? Je te filme là. Ouais. Ouais? Ouais, dimanche. Dimanche? Pourquoi tu dis dimanche? Je sais pas. Faut toujours que tu dises n'importe quoi. Ouais. Ok. Non, surtout un mot qui retient la porte, tu vois. Ah ouais, je vois. Non, tu vois pas. Ah si, je vois. Allez, à plus dans le bus. On a repris la route. Donc on va un peu à l'aventure. On sait pas exactement où on va, mais on y va. On va voir des petits villages au bord de la mer, on va voir ce que ça donne avant de rejoindre Rouen pour ce midi. Il est 10h, là, moins 10. On prend des petites routes de campagne. Oups. Tu veux aller voir là? C'est ça, non? C'est pas ça qu'on avait dit? Bah, t'avais dit machin le port là. Ah oui, bien. Sinon, tu peux aller, on aurait pu aller voir là. Ben, c'est à côté, si jamais. On sait jamais si c'est magnifique. Ah, s'il y a des points de vue, donc là, Écrotteville-mer. Let's go. Faut pas qu'on croise quelqu'un, quoi. Non. C'est un truc de ouf. Ouais. Une mignonne petite église. On pense que là, il n'y aura pas la mer, vu qu'on monte. C'est pas grave. On visite. Une impasse. On va redescendre puis on va suivre notre idée de départ. C'est c'est la mairie là. D'aller à, je crois que c'est Saint-Pierre-le-Port, je crois, il me semble. Ouais, on a trouvé la mer. Oula, c'est chelou là. Ah si, c'est un parking. T'es sûr qu'on a le droit d'aller en voiture là? Je sais pas. Ah si, il n'y a personne. Voilà. Le vent arrive et le soleil aussi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain.
Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Donc, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais là on voit qu'il y a la maison. Donc ça c'est la maison abandonnée dont je vous parlais sur la plage. Je sais pas si vous m'avez entendu avec le vent, donc je sais pas si je mettrai la séquence. Donc celle-là elle est complètement abandonnée. David y pense depuis une quarantaine d'années au vu de l'état. Je sais pas si on voit bien de loin, parce qu'en fait ça risque de s'écrouler à tout moment. Mais entre guillemets. Comment on pouvait y aller? Oh bah il y a des chemins, hein. Il y a sûrement des chemins. Donc voilà. Voilà, voilà la petite histoire. Qu'on allait vraiment aller où, tu vois. Bah, non, pas, c'est une propriété privée en plus. Hein. Oui. Même si c'est abandonné. Ah, bon, il devait y avoir une ouverture par là, et puis au fil du temps. Allez, on repart en vadrouille. Là, on s'est arrêté donc à Saint-Pierre, le port juste au bord de la plage pour un petit air frais et revigorant. Le vent s'est levé, enfin, en bord de mer, il est toujours là de toute façon. Et on repart en vadrouille. Donc là, nous sommes à Velette-sur-Mer. Donc la mer est basse, hein, comme vous pouvez le constater. Et il y a du vent, comme vous pouvez l'entendre. Alexis est sorti sa trotte, parce qu'on se fait la balade, là, on peut trottiner. C'est super mignon. Il fait pas froid, hein. Il fait 11 degrés, mais il n'y a pas de soleil, enfin, il a envie de sortir. Hein. Là, il y a un petit coin de ciel bleu, tout petit. Voilà. Et ça, les galets que vous voyez là, tous les galets, c'est en fait quand la mer est haute et qu'il y a des tempêtes et que les vagues sont submersibles et que elles sont immenses, les galets, ils sautent. C'est pour ça que les promenades comme ça sont fermées. Parce que apparemment les galets, voilà, c'est à cause des tempêtes tout ça, que les galets sont là.
Petite balade venteuse à Velette-sur-Mer. On est dans l'ombre. T'es dans l'ombre, David. Ah oui, c'est... Là, et là, on se... en fait, il est 11h15 et on se dirige vers Rouen. Donc, on a 72 km, dont une partie sur des petites routes de campagne. Donc, on va mettre du temps, je pense. Et du coup, bah, on arrivera juste pile poil pour manger. Ah, rien. Même si je faisais ça. Ah, bah, on ne voit plus. Ah, bah, c'est génial. On ne voit plus du tout. Ah, bah, mon steak. Ah, mon steak. David, au bout de sa vie. J'ai vu un commentaire sur la vidéo d'hier. Et on n'a pas eu ta minute info, Marine, elle a dit. Tu sais, tu fais toujours une... Ah bon ? Une minute où tu expliques quelque chose de culturellement intéressant. Ah bah c'est dommage, c'était tout à l'heure peut-être. Donc on fera... Voilà, donc peut-être que cette erreur sera réparée à Rouen. On verra si on y pense, si David y pense, ou si je filme à ce moment-là, parce qu'il nous fait quand même des minutes culturelles à nous. Hein. Et soit je filme pas, soit il y a trop de vent, on n'entend rien. Donc soit on s'en fout. Non, c'est pas... Non, voilà. Bon allez, let's go, on vous reprend à Rouen. Bon, on est à Rouen, il est 12h37, on se vient de se garer, on va essayer de rejoindre le centre historique et de chercher un resto, quand même, hein David ? Oui, ouais. Un bon resto ? Bon là on a mangé, je crois que j'ai pas fumé dans le resto, c'était super bien, il y a pas mal de monde en fait, c'est pour ça que je filme pas face caméra, et on est dans les rues piétonnes, bon vous voyez rien mais on va se rapprocher de la grande horloge. Oh non! On est là pour voir la vieille ville, pas pour aller au magasin de chaussures. We'll be right back.
une petite promenade sur Rouen. Alors, on s'est pas promené énormément, j'ai pas filmé énormément. Il est 15h12. Perso, je suis complètement claquée, t'en attends la musique pour l'instant. Oula. On sort du parking souterrain et on se rentre. Retournons à la maison. Ah oui, il faut qu'on tombe là. Ah ouais? Putain, quel bordel. Fais gaffe, il va reculer lui. Ah non, il passe. Ici, c'est bon. Ah oui, c'est pas pratique là, la sortie du garage. Donc on a passé un excellent week-end. Rouen, j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, donc j'ai pas beaucoup filmé en fait. Moins que ce que je pensais. J'ai essayé de filmer quand il n'y avait pas trop de monde, mais quand on est arrivé, ça allait, puis là, ouh. Et après la mer, la foule, ça fait bizarre. Et moi, je suis crevée. T'es content, David, de ton week-end? Oui, oui, oui. Ton cadeau de Saint-Valentin? Super. Et toi, Alexis, t'es où? Tourne ta tête là? Non. Par là, non? T'es pas content? C'était génial? Donc voilà, on a passé un bon week-end tous les trois et on va se rentrer. Voilà, on se retrouve à la maison bien plus tard, il est 18h20. Donc on est rentré, on a mis 1h30 pour rentrer. On est parti 15h15, 16h15, 5h15. On a dû rentrer. Et voilà, un week-end qui s'achève. J'ai commencé le montage là. Je suis pas du tout fan de mes images de Rouen. Mais alors, pas du tout. En plus, il y a les manches, j'ai la tremblote, c'est un truc de fou. Mais pas du tout, quoi. Autant j'aimais bien mon vlog d'hier, autant là, je sais pas, je suis déçue. Mais je m'en suis... Enfin, je suis déçue, oui et non, parce que... Quand je filmais, je me rendais compte que ça y est, quelque chose qui allait pas. Alors au début, ça allait, parce qu'il y avait pas trop de monde. Et encore, j'avais la tremblote, mais après... Je sais pas si ça se voit dans le vlog, parce que... Déjà, j'essaie de filmer quand il n'y a pas trop de monde. Et je filme quand même quand il y a du monde, mais... Et en fait, pour viser les bâtiments, dans les rues, il n'y a pas beaucoup, forcément assez de recul pour voir bien les bâtiments, mes trucs de travers, enfin bref. Donc on se rend pas bien compte, en fait. Et en fait, on n'y a pas... je pense que clairement, on n'y a pas passé assez de temps, il y avait beaucoup plus de choses à voir que ça. Mais de toute façon, on était assez fatigués. Très honnêtement, on se plaint pas, hein. Attention, on ne se plaint pas. Moi, comme j'avais mal dormi cette nuit, j'étais éclatée, mais un truc de ouf. Puis bon, hier on a quand même bien marché, donc hier on a marché 10 km, donc dans le vent et tout ça, voilà, c'était génial. Aujourd'hui on a marché beaucoup moins, on a marché 7, parce que quand même pas mal. Enfin bref, on a quand même apprécié Rouen, hein. Attention, je suis en train de dire que j'ai pas apprécié Rouen, j'ai beaucoup aimé, mais au niveau de ce que le rendu caméra est complètement nul par rapport à ce que moi j'ai vu en fait. Bref, donc j'espère que vous m'en excuserez. On a d'ailleurs, Marine, pas fait la minute culturelle. Mais ouais, quand il y a du vent c'est difficile en plus parce qu'on n'entend pas. On vous a parlé un moment sur la plage et j'ai dû couper, je mets de la musique parce que c'était inaudible, donc on vous explique un peu plus tard. Voilà, enfin bref, on est super contents tous les trois de notre week-end. C'était génial, tout le monde était content, David, Alexis et moi. Alexis était super, c'était top. En plus, on a bien mangé. C'est quand même trois restos, mine de rien. Donc, à chaque fois, on ne prend pas de dessert en fait, on prend juste un plat principal chacun. Mais ils sont généralement assez copieux, ça nous suffit. On n'a même pas pris ni de glace pour David, ni de crêpes dans l'après-midi. En fait, à chaque fois qu'on sortait d'un resto, le midi, on se dit, on prend pas de dessert comme ça, à 4h, on ira se prendre un truc. En fait, on l'a jamais fait. Une crêpe, une gaufre, une glace, et on l'a pas fait. Mais bon, c'est que si on avait eu envie, on l'aurait fait. C'est que ça nous, on n'avait pas faim, quoi. On n'avait pas faim, on n'avait pas l'envie de manger une crêpe à ce moment-là, tout simplement. On aura bien l'occasion cet été ou pendant les vacances d'avril de bouffer des glaces et des crêpes. Enfin bref. Voilà. Un petit week-end qui s'achève. Je suis un peu perdue dans les jours parce que... Alors d'habitude quand on part un week-end normal, samedi, dimanche. Là on est parti vendredi, samedi. En plus, donc demain c'est dimanche. Et en plus je suis en vacances. Donc je suis un peu décalée dans mes jours. Mais c'est pas désagréable, c'est au contraire super agréable. Et ça m'a fait trop du bien ce week-end. C'est vraiment... En fait, je suis fatiguée, mais
Là, je suis fatiguée, mais c'est, je suis bien. En fait, je suis un peu comme droguée. Droguée à l'iode et au vent. Droguée à la mer. C'est une bonne drogue. Et ça nous a fait... Enfin, c'était vraiment génial. On déconne complètement, on oublie tout. On oublie tout ce qu'on vit chez nous, en fait. Enfin, non pas qu'on ait des choses difficiles à vivre, forcément, mais tous les petits tracas du quotidien, ils sont complètement évaporés pendant tout ce temps. Et on a fait que profiter. Puis en plus, on est restés tous les trois de bonne humeur, donc... C'était génial. Hop. Donc je vous ai, pour celles qui me suivent sur Instagram, bah je vous ai inondé de stories. Donc celles qui suivent les deux YouTube et Instagram, c'est assez redondant, je trouve. Je filme les mêmes choses quasiment, mais bon, j'ai fait des petites stories où je parlais quand même. Et je me suis bien éclatée à faire des stories, j'ai adoré tout. Donc par contre, quand je regardais la masse que j'ai mise, je me dis putain, les pauvres. Après, les pauvres, oui, non, parce que vous n'êtes pas obligé de les regarder, quoi. Et ça peut être saoulant, quoi. Alors, plein de trucs, bon, bref. Mais voilà. Mais j'étais contente d'en faire et tout. Donc celles qui ne me suivent pas, j'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient rejointe récemment de YouTube. N'hésitez pas à me joindre sur Instagram aussi. Et voilà. Et celle qui voit, j'ai beaucoup de gens sur Instagram qui ne me suivent pas sur YouTube, mais je fais pas le lien, je fais pas le pub. J'ai enlevé mon nom d'ailleurs, parce que j'ai laissé mon compte en public sur Insta. Donc n'importe qui peut y aller. Bon, je reçois des abonnements de trucs de ouf, mais avec des messages à la con, donc je supprime, je bloque. Ça va, je suis pas non plus inondé, mais quand même, je reçois quand même pas mal de trucs. Enfin bref, putain. Ça fait longtemps que je parle. Bref, donc, j'espère que vous êtes contents j'espère que vous êtes contents que nous vous ayons emmenés avec nous. Je crois que ça on dit comme ça. En tout cas, moi, j'étais contente de vous emmener, de filmer, de partager tout ça. Même si, ouais, Rouen, là, c'est pas très réussi. Je suis dégoûtée. Pas par Rouen, je répète. Hein, par la façon que j'ai eu de le mettre en... Bah, pas en valeur, du coup. Bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des vlogs train-train quotidien, des blabla de la routine, de la fadasse attitude.